Bonjour, Madame Mathieu. Bonjour, Monsieur Frappier. Moi, je suis un bénévole du Centre d'action bénévole de Shawinigan. Puis moi, je suis ambassadeur de service. Ça veut dire que je me rends à domicile pour informer des services du Centre d'action bénévole. Puis vous, vous avez demandé téléphone et visite d'amitié. Oui. En fait, c'est de vous mettre en contact avec une personne oui. qui vous téléphone, qui vient vous rendre visite également. Puis vous prenez des arrangements ensemble. Peut-être même ça peut aller qu'après aller prendre un café. Puis c'est un peu ça, les visites. Et puis on va vous donner suite à un moment donné. Vu que vous avez fait une demande, on va vous mettre en contact avec une personne qui va communiquer avec vous puis pour vous entendre sur le moment que ça vous préférez pour les visites puis les téléphones. C'est beau, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, on a d'autres services aussi. Est-ce que vous en connaissez d'autres services du Centre d'action bénévole? Oui, je voyage avec des bénévoles pour aller pour les visites médicales, ces choses-là. Pour l'accompagnement au transport? Pour l'accompagnement au transport. J'ai aussi la popote roulante. Oui, trois fois par semaine. Trois fois par semaine. Maintenant, c'est nouveau, c'est de cette année, trois fois par semaine. Oui, oui. Et comme je dis, c'est des repas complets et c'est très bon. Oui, c'est bien. C'est 6 $, fait que je trouve que c'est vraiment pas dispendieux. Ouais, ça fait un bon repas. Surtout rendu à domicile, là, c'est livré, oui. C'est facile, hein? C'est le fun. Oui. Puis j'ai aussi été pour essayer musculoter méninges. Ah oui, c'est bien. Et oui, j'ai bien aimé. J'ai appris beaucoup de choses, puis ben les gens ont resté surpris parce que j'ai beaucoup de mémoire. Oui. Ben, faut qu'on développe d'autres choses quand on ne voit pas. Fait que... Ouais, vous voyez pas. Non? Oui. Fait que c'est ouais, ça. C'est plus difficile peut-être des activités comme ça quand on est non-voyant. C'est ça. Mais c'est difficile dans tout, mon cher monsieur. Oui, j'imagine. Ouais, oui, j'imagine. Puis on a également le programme PAIR. C'est qu'on vous met en contact avec quelqu'un qui téléphone à tous les jours, par exemple, pour savoir si ça va. Puis si vous avez, il n'y a pas de réponse, on téléphone à une personne qui est en communication avec vous pour savoir pour qu'elle puisse venir voir qu'est-ce qui se passe. Et puis ça peut aller jusqu'à remettre une clé à la police qui peut aller rendre visite à la personne qui ne donne pas signe de vie. Mm-hmm. Puis qui est peut-être partie. En fait, si jamais vous avez des besoins, vous téléphonez au Centre d'action bénévole. Puis il y a un ambassadeur de service, pas nécessairement moi, mais qui va venir vous rencontrer. D'accord. Fait qu'avez-vous des questions? Non, ça va pour ça. Ça va? Il n'y a aucun problème. Je vous remercie beaucoup, M. Frappier. Vous avez été bien gentil. Bien, ça me fait plaisir. De m'expliquer.